ça nous gêne. On a beau changer de chaîne, lourd le cœur est lourd. Toutes ces alarmes à l'amour, ça leur saigne. L'Arsène, c'est une chanson qu'on a composée avec Vincent-Marie Bouveau, avec qui je travaillais à l'époque, qui avait un studio à Enghien. On cherchait... J'aimais bien déjà un peu l'électro. Alors, on ne pouvait pas tellement parler d'électro à cette époque-là, mais enfin quand même, s'il y avait quand même un peu le début de la French Touch qui arrivait. Ce mélange comme ça de loop, de rythmique comme ça, qui sont un peu chimiques quelque part, avec de la vraie musique, avec des vrais instruments. Donc c'était ça, en fait, l'Arsen. Et du coup, c'est vrai qu'on avait trouvé un pont avec une espèce de guitare folle qui faisait des bruits un peu comme ça. D'où l'idée du Larsen. Le Larsen en musique, c'est le truc qu'il ne faut pas faire, hein, qui fait... Ou dans un micro, bonsoir. Ou c'est l'enfer pour les oreilles, pour tout le monde. J'aimais bien la métaphore qui consiste à parler de son tout en parlant du fait qu'on ne s'entende pas, voilà, que les gens ne s'entendent pas bien, elle est géniale la langue française pour ça, c'est qu'elle permet d'avoir des doubles sens, d'où l'idée d'associer le son à la mésentente des gens entre eux. La radio, tous les journaux, c'est pareil. On ne s'entend pas dans ce monde-là. Ah oui, oui, super, oui, je vois très bien. Je me souviens de ce tournage, j'avais mal au cœur pendant tout le tournage. En fait, on était entouré de glace, ouais, de tous les côtés, y compris le sol. D'où cette espèce de chose abyssale, on dirait que je suis dans une cage d'ascenseur sans fond. Mais pour de vrai, je l'ai vécu physiquement. Donc au bout de 7 heures de tournage, franchement, on est obligé de faire des pauses parce que j'avais mal au cœur ou la tête qui tournait. Les pauvres gars qui de temps en temps arrivaient, puisque je manipulais la caméra, c'était ça l'idée, j'avais répété beaucoup avec le réalisateur, M. André, et pour qu'on ait vraiment cette espèce de mise en abîme comme ça, qui était fantastique, très verticale. Donc de temps en temps, il y avait les pauvres décos qui devaient enlever mes traces de coudes, de machin, pour que le miroir soit vraiment nickel. Même eux, hein, ils y passaient quoi, un quart d'heure de temps en temps, ils finissaient, ils étaient pas bien. Bon, après ça va, il y avait un très très beau gosse qui jouait dans une série australienne à l'époque, donc c'était pas trop grave, ça m'en suis remis.